ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فتركه على الحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك الصلوات الله وسلامه عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الكرام الغر الميامين العلماء الأباد وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم التناد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد يسلم الله وسلم البروفيت محمد صلى الله عليه وسلم يا consacré toute sa vie à notre sauvegarde. Il n'a quitté ce bas monde qu'après nous avoir légué cette religion, cette lumière, cette guidance. Il nous voit clair des nuits comme des jours, mais ça n'écarte que celui qui est voué à la perdition. Car il n'a laissé rien qui peut nous rapprocher du paradis et nous éloigner du feu de l'enfer. Il ne nous a pas montré, clairement expliqué. C'est pour cela quiconque embrasse cette religion et il est conscient, sensé, Dieu de raison, d'intelligence, il se rendra compte que ce bas monde, comme l'a expliqué le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est un monde éphémère, d'une jouissance trompeuse, comme le dit Dieu très haut, « Man hayatu dunya illa mata'u al-ghurur » Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné comment, quelle attitude adopter vis-à-vis de ce bas monde. Ça, dans un hadith, un conseil qui a prodigué à l'un de ses compagnons, qui est Abdullah ibn Omar, radiallahu anhuma, à travers lui, le message s'adresse à nous tous. Rada Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam biman kibayya faqad kun fi dunya ka annaka gharibun aw abidu sabil. Dans ce hadith, il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a pris par les épaules et il dit, soit en ce monde comme un homme, comme un étranger ou celui de passage, comme un étranger ou celui de passage. Abdullah ibn Omar a bien compris ce hadith. Il a bien compris ce message. Il a bien compris ce conseil. Lui-même, il a ajouté. Il dit, « Iza amsaita, fala tantadiru sabah. Wa iza asbahta, fala tantadiru masa'. Fakhuz min sihatika li maradik, wa min hayatika li mautik. » Rawah al-Bukhari. Il dit, si tu es au matin, au soir, n'attends pas le matin, le jour. C'est-à-dire, si tu es au matin, attends-toi que tu peux vraiment quitter ce bas monde. La mort vient à l'improviste. Ça peut venir à tout moment. Si tu es au matin, n'attends pas le soir. Il dit, prends de ta santé pour ta maladie, de ta vie pour ta mort. C'est ainsi la vie de ce bas monde. Tout change. Ce qui est neuf s'use. Ce qui est jeune vieillit. Ce qui est vivant meurt. C'est ainsi. Donc c'est pour cela
l'être humain, le croyant, averti, son attitude vis-à-vis de ce bas monde, il doit savoir que nous sommes de passage. Nous sommes des étrangers. Nous allons tous un jour être ramenés vers notre Seigneur. Pourquoi? Quand Dieu créa l'homme, il l'a créé pour le paradis. Ce n'est pas pour ce bas monde. Et ça, en s'adressant à Adam, alayhi salam, voyez Adam, uskun anta wa zawjuka al-jannata fakula min haythu shi'tuma wa la taqrabu hadhihi shajarata fatakuna min al-ghalimin. Quand Dieu créa Adam, il a dit clairement, toi et ton épouse habitent le paradis. Donc Dieu nous a créé pour quel lieu de demeure? C'est pour le paradis. Et parce que Adam a abusé à son Seigneur et il a écouté Satan. Il a écouté son impulsion, il a écouté sa passion, son émotion. Il fit chasser vers destination de la terre. Et ça, il le dit très bien. Il dit dans le Coran, le Coran le dit très bien que dans ce bas monde, nous sommes là jusqu'à un fil ardé. Voilà comme fil ardé, mata'un. Il dit, vous avez sur la terre, une jouissance et un lieu de séjour jusqu'à un temps. Quand ce temps viendra, tout le monde retournera. Donc c'est pour cela, ceux qui ont compris ce bas monde, ils ont compris ce hadith, comme Al-Hassan al-Basri, il dit, ma anta illa majmu'at ayyam, idha zahaba yom, zahaba ba'du. Il dit, tu n'es qu'un ensemble de jours. Quand un jour s'achève, c'est une partie de toi qui s'en va. La personne, dès sa naissance, sa vie s'use. Chaque jour qui passe, son âge diminue d'un jour. Donc c'est pour cela, quand tu te vois vivant, en bonne santé, un jour, tu dois être reconnaissant envers Allah de t'avoir privilégié de voir le jour, mais être aussi conscient que c'est un jour que tu dois mettre profit. Pourquoi? Pour l'au-delà. Pour l'au-delà. C'est pour cela. Ibn Mas'ud radiallahu anhu قال: ما ندبت على شيء ندمي على يوم غربت الشمس فنقص فيه أجلي ولم يزداد فيه عملي. Il dit, je n'ai jamais regretté pour une chose, comme mon regret pour un jour durant lequel le soleil se lève et qui a fait que mon âge diminue sans que mes œuvres s'accroissent. Et ça, c'est très important, tous les jours et toutes les nuits que Dieu nous accorde, c'est pour nous donner la chance vraiment de chercher l'au-delà, notre ultime retour vers Allah. Et Dieu le Très-Haut dit, « Vous l'avez dit, « Ja'ala al-layla wa al-nahara khilfatan liman arada an yadhakkara ou arada shukura. » C'est lui qui a assigné une alternance à la nuit et au jour pour quiconque veut y réfléchir, pour se montrer reconnaissant. Reconnaissant. Donc chaque jour qui passe, chaque jour que Dieu t'a donné, c'est notre capital. C'est un capital que Dieu t'a donné. Il faut vraiment en profiter pour toi, pour ton retour ultime vers l'au-delà. Et Dieu le Très-Haut nous a expliqué ceci encore, cette réalité. Dans la sourate Al-Shiqaq, Ya ayyuhal insan, innaka kadihun ila rabbika kadihan famulaqih. Oh homme, tu te forces sans relâche vers ton Seigneur et tu y arriveras. Donc, l'homme, chaque jour, point de départ, comme le dit Ali, irtahalat dunya mudbiratan, wartahalat al-akhirah muqbilatan, wa li kulli wahid minhuma banun, fakun min abna'i al-akhirah, la takun min abna'i dunya. Il dit que le monde, ce bas monde, est sur le départ et l'au-delà se rapproche. Donc, tu t'en vas, chaque jour, tu t'approches de l'au-delà et tu t'éloignes de ce bas monde. Soit des enfants, de l'au-delà par les enfants de ce bas monde. Donc ces sahaba et ces tabi'in et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ont compris qu'est-ce que ce bas monde. C'est ainsi vraiment que nous devons vraiment, notre attitude doit être vers ce bas monde. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a parlé clairement qui est le gagnant. Qui est le gagnant de ce bas monde et qui est le perdant? Qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, al-kayyus من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواه وتمنى على الله. Il dit, le sage, le dieu d'intelligence, de sagesse, de raison, c'est lui qui se demande
des comptes. Il demande des comptes à son âme et qui se remet en question constamment, perpétuellement, chaque jour. Et ça, c'est très important. Chaque jour qui passe, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui de bien? Quel manquement que j'ai fait aujourd'hui? Est-ce que j'ai accompli les prières comme il faut? Où je les ai appris, accompli? Quels sont mes devoirs envers moi-même, envers mes enfants, envers mon épouse, envers mon mari, envers mes collègues, envers Dieu? Et ça, c'est chaque fois l'être humain, il se remet en question. Il se demande des comptes. Et c'est lui vraiment qui se demande des comptes à lui-même. Et il est pour ce qu'il a dit rien dans l'au-delà, pour l'au-delà. Ça, c'est très important. Ce n'est pas pour ici, moi, bas monde. À l'âge, il dit l'incapable, celui qui suit sa passion, tout en s'animant d'espoir que Allah lui accorde sa miséricorde. Afa naja al-muslimine kal-mujrimine, ma lakum kefa tahkumoun. Traitons-nous les soumis, pour être nous les soumis comme les criminels. Ça ne peut pas se faire. Si c'est pas ça, tu ne peux pas vraiment suivre ta passion comme tu veux et espérer encore que Dieu t'accorde sa miséricorde. Non, ça c'est très important. Et ça, tu vois dans le comportement des gens, même dans leur attitude vis-à-vis du Coran. Le Coran, Dieu nous a révélé afin de méditer sur ce Coran et le pratiquer dans notre vie, de le prendre comme guide. Mais malheureusement, certains le prennent comme une décoration sur les murs ou comme une tonalité de sonnerie sur les téléphones intelligents, or que le Coran n'a pas été révélé pour ça. Il a été révélé afin que tu médites au-dessus. Et malheureusement, même ça aussi, les versets qu'il choisit, tu le vois vraiment quel est leur penchant. Tu vois, je prends par exemple, quand il prévoit dit, « Ghafir al-zambi, wa qabil al-tawbi, shadid al-iqab, zittawul, la ilaha illa huwa, ilayhi al-masir, wa ilayhi al-masir. » Ce verset coranique, si tu médites là au-dessus, il est suffisant vraiment de t'amener vers le paradis, de t'éloigner de tout ce qui est de péché. Le Ghafir al-zambi, le pardonneur des péchés. Qabil al-tawb, l'accueillant au repentir. Shadid al-iqab, dur en punition, zittawul, détenteur de faveur. La ilaha illa huwa. L'unicité, il est le Masir, c'est vers lui le retour. Quand on médite sur ces versets, il est suffisant vraiment pour l'homme d'être vraiment une source pour toi d'enseignement qui est suffisant pour toi vraiment de te protéger du feu de l'enfer. Mais qu'est-ce que les gens font? Ils prennent seulement un seul côté. Tu le vois, il écrit très bien, Rafi Rodam. Mais et l'autre côté? Ça, c'est très important. Pardonner de péché en condition que Qabil al-Tawb, tu te répands. Si la personne ne se répand pas, il ne faut pas vraiment espérer le pardon. Il ne faut pas espérer le pardon. Si tu ne te répands pas, ce n'est pas seulement que tu n'as pas espéré le pardon, mais aussi attends-toi qu'il est dur à punition. Il est dur à punition. Donc, on prend le verset en complet, on mérite en complet, on l'applique. Et ça, c'est très important. Je prends un autre verset aussi qui est dans notre Ibrahim. Souvent, tu le vois aussi, les gens, ils l'affichent. وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. Quand ton Seigneur proclama, si vous êtes reconnaissant, j'augmenterai certes mon bienfait pour vous. C'est bon. Mais l'autre côté est là. Et si vous êtes ingrat, mon châtiment est dur, est terrible. C'est deux ensemble. Les gens, ils mettent l'autre côté. Même ça aussi, ils ne méditent pas. Car l'augmentation des bienfaits est liée à quoi? À la reconnaissance. Si tu n'es pas reconnaissant, ce n'est pas seulement que tu ne peux pas profiter de l'augmentation de bienfaisance, mais non, tu vas avoir aussi la punition. Donc ça, c'est très important. Donc, c'est très important que de maîtriser son âme, ses penchants, son émotion, sa passion, comme on l'a dit la semaine passée. Et ça, c'est très important. Et ouvre ton cœur pour le message et la sagesse du Coran. Je prends l'exemple de cette parole de sagesse de cette personne que Dieu l'a citée, qu'on appelle Sahib Yassin. وَجَاءَ مِنْ أَقْسَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ. Quand tu médites sur ces versets coraniques, c'est très important, les versets du Coran, quand tu le lis, essaie de méditer, c'est surtout les récits que je trouve. Un homme a entendu que sa communauté, son peuple, se réunissait pour tuer, pour assassiner une personne, des personnes. Et ces personnes sont qui? Des messagers d'Allah.
Il est venu à la hâte. Il dit, Yaqub, ittabi'u al-mursalin, ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. C'est un paradoxe. Quand tu vois des gens, la personne qui les appelle vers la guidance, il les appelle vers le paradis. Il a jannat ardu has-samawati wal-ard. Et gratuitement, il tourne le dos à celui-ci. Il va vers le Satan, qui les appelle vers quoi? Vers la perdition, vers l'enfer, et ça aussi, il le paye. On prend l'exemple, comme nous avons beaucoup de jeunes ici, c'est très important, la mosquée aussi, ou les clubs, les dancing, ou les lieux de musique, ou tant de choses. Ces lieux, c'est payable. Ils le paient chèrement, et tu vois les gens en ligne, longtemps, sous le froid, amer, ils attendent. Et la mosquée, on a vu personne, on te demande de payer. C'est gratuit, tu viens gratuitement. Et le prix, c'est quoi? Al-Jannah. Dieu a acheté notre âme. Et le prix qu'il a donné, c'est quoi? C'est le paradis. N'accepte pas moins que ça. Et on prend l'exemple aussi de cette personne qu'on appelle Mu'min al-Firaoun. C'est étonnant que dans la famille de Pharaon, ils y trouvent un Mu'min. Comme ils y trouvent aussi dans la famille de Moussa, Qaroun, qui est aussi mécréant, il a. Et directeur vous dit, وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم إن يكن كاذبا فعليه كذبه وإن يكن صادقا يصيبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب بديتون aussi sur ce verset. Il parle des gens qui nient l'existence d'Allah. Il nie aussi qu'il n'y a rien dans l'au-delà. Cette personne, quand il a vu les gens de Pharaon se réunissaient pour tuer une personne, qui dit, mon Seigneur est Allah. Comment tu peux tuer une personne qui dit, mon Seigneur est Allah? Et tu respectes une personne qui sculpte une statuette et prend comme sa divinité. Et tu respectes ceci. Et la personne qui dit, mon Seigneur est Allah, Seigneur qui a créé le ciel et la terre, et qui nous a créé, qui nous donne la vie et la mort, et tu humilies cette personne et tu viens vraiment l'ententer à sa vie. Ils disent, supposons que c'est vous qui dites vrai. وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتْ وَنَحْيَا وَمَا يُخْلِقْنَا إِلَّا الدَّهَرْ. C'est ce qu'ils disent. Ils disent, rien, ce qui nous fait périr, c'est le temps. Rien que le temps. Supposons que vous dites la vérité. Que c'est le temps seulement qui vous fait périr. Et qu'il n'y a rien dans l'au-delà. Qu'est-ce que vous avez à perdre si vous suivez les messagers? Qu'est-ce qu'il nous ordonne? Ya Amr Nabil Ma'aruf, Wayan Hanil Munkar, Wahilul Tayyibat, Wahilul Kawais. C'est-à-dire, ce qui est mauvais, c'est ce qu'il interdit. Ce qui est convenable, il nous exhorte le faire. Donc, les messages et les enseignements du prophète, en les suivant, est profitable pour nous dans ce bas monde. Si l'au-delà n'existe pas, comme vous le dites, vous n'avez rien à perdre. Car vous dites qu'on deviendrait des poussières. Comment une poussière, vraiment peut regretter de ce qu'il aura, ou des faillites qu'il a fait, ou des manquements qu'il a déjà subis dans ce bas monde. Wa in yakun sadiqan yusibukum ba'd alladhi ya'idukum. Mais si il est véridique, le réveil sera brutal. Le réveil sera brutal. Et ça, c'est très important. Car les gens, quand ils se réveilleront, ils trouveront que, ah, vraiment, ce que le messager a dit, c'est vrai. Ce que Dieu nous a promis, c'est vrai. En ce temps, ça sera brutal. Donc, qui est raisonnable? Qui est intelligent? Qui est sage? Celui qui a suivi le prophète. Celui qui refuse de suivre le prophète, non, il n'est pas à côté de la raison. Il n'est pas aussi à côté de la vérité. Donc, à quoi le haut les hauts de wastafurullah haliwalakum, wastafurunnahukurrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalam, ala al-mabous rahmatan lil'alamin. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير كي سبامون نبو ترمبا et que le grand trompeur ne vous trompe pas au sujet de votre Seigneur car il ne fait qu'appeler ses partisans pour qu'il soit parmi les nombres des gens de la fournaise et Satan comme nous l'avons dit qui nous attend dans les moments de faiblesse. Dans un moment de faiblesse. Le moment de faiblesse, c'est la passion.
Et autre que ça, c'est au moment de la colère. C'est au moment de la colère. Car la colère, il traduit cette incapacité de l'homme de se contrôler, de se maîtriser. Et c'est ce que Satan veut de nous. Et Satan, il le dit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les hadiths, il dit « Lamma sawwara Allahu Adama, tarakahu fil jannah, ma sha'a yatrukahu, faja'ala iblisu yutifu bihi, falamma ra'ahu ajwaf, arafa annahu khuliqa khalqan la yatamala. » Dans ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand Dieu donna forme à Adam, il le laissa au paradis, le temps qu'il voulut le laisser. En ce moment précis, Iblis venait tournoyer autour d'Adam. Il n'a pas encore l'âme. Il le contemple de près. Quand il a su qu'il est creux de l'intérieur, quand il a vu qu'il est creux de l'intérieur, il a su alors que c'est une créature qui ne peut pas se contenir, qui ne peut pas se contenir, qui ne peut pas vraiment se maîtriser. Donc il sait vraiment qu'il y a une faille. Et cette faille-là qu'il va vraiment utiliser pour atteindre l'être humain. Car il était animé de jalousie dès le début. Dès qu'il a vu Adam. Et c'est très important. Les savants religieux expliquent ce hadith. Il dit Mana annahu la yamlik nafsahu inda shahawat. Ou la yamlik inda nafsahu inda al-ghadab. Au moment de colère. Wa qad sa'ala rasulun, nabiyyun min al-anbiya, Iblis. فقال له كيف تغلب ابن آدم؟ قال عند الغضب وعند الشهوات. Et comment tu arrives à terrasser l'être humain si facilement? Il dit au moment de passion ou au moment de la colère, de colère. Et ça c'est très important. C'est pas pour rien que le colère est l'un des axes fondamentaux de la dérive, de dérive et aussi de l'échec de l'être humain. Tant en ce bas monde comme dans l'au-delà, comme dans l'au-delà, il est l'origine de tous les malheurs. Tous les malheurs. Et c'est pour cela le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand un sahabi est venu lui demander, qala ya rasulallah murni, qala la taghdab. Faraja, dhahaba thumma raja, faqala murni, faqala la taghdab. Fa'ada ali, wa'ada ali, la taghdab. Ou fa'karrara mirara, ou kullu dhalik yarji, wa rasulallah yaqullahu, la taghdab. Dans ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, cette personne est venue voir le prophète. Il dit, donne-moi un conseil. Un conseil qui me suffit dans ma vie. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donné cette capacité d'exprimer beaucoup de sens en quelques mots seulement. Il dit, la tardab, ne te mets pas en colère. Cette personne est partie, il est revenu encore reposer la même question et la réponse fit la même chose. Ne te mets pas en colère. Et chaque fois qu'il revenait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui donnait la même réponse, ne te mets pas en colère. Et la personne dit, fatafakkat. حين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال فعرفت أن الغضب يجمع الشر كله. Et j'ai su, quand j'ai médité sur la parole du prophète صلى الله عليه وسلم, ce qu'il m'a dit, j'ai su, je me suis rendu compte que la colère est la clé de tous les méfaits. Tous les méfaits. La colère de tous les méfaits. Et combien de maisons sont vraiment détruites à cause de la colère, surtout de la vie conjugale. Ça, c'est très important. Nous assistons et nous attendons. Et malheureusement, c'est le cas. Beaucoup de violences dans les familles, et ça se doit pas, ça se doit pas. Là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, « Ida ahabba Allah ahal baytin, khayran bi ahal bayt, adakhala alayhim rifqa. » Quand Dieu veut du bien d'une famille, qu'est-ce qu'il fait? Il introduit la douceur dans leur façon d'agir, dans la douceur. Et Aisha radiallahu anha qal, « Ma daraba rasul, qalat radiallahu anha, ma daraba rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, khadiman, wa namra'atan qattun biyadi. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais levé la main sur une femme ou sur un domestique. Jamais dans sa vie. Jamais. Et c'est lui qui est notre guide. C'est lui qui interprète mieux le Coran. Et ça, c'est très important. La vie du musulman est basée sur l'entente, sur la douceur et al-hilm. Al-hilm. C'est ça. Et le radab n'engendre que le problème. Et combien de personnes, au moment de radab, ils ont prononcé des mots qui a détruit leur famille, détruit leur maison et a résulté au divorce. Beaucoup. Tu entends beaucoup, vraiment, c'est vraiment alarmant quand tu entends des femmes qui t'appellent que mon mari m'a répudé trois fois. Talaqani talat marat, ma hukmu hadma. Pourquoi tu rentres dans tous ces problèmes-là? Pourquoi? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a exhorté, il nous a donné des médicaments. Comment se comporter en état de colère? Car c'était nadara min nadarat shaitan. Al-wadab nadaratum min nadarat shaitan. C'est l'un des vraiment outils sanctuaire de Satan, le plus actif qu'il utilise contre l'être humain. La première chose,
Il dit quand tu es en colère, ne parle pas. On ne prononce pas sous l'effet de la colère. Non. Aucun danger. Quand la personne se met en colère, tu dois savoir que c'est une qualité, c'est l'une des qualités de la folie. Je le dirais ainsi, vraiment. Peut-être c'est la folie temporaire, mais c'est la folie. Donc c'est très important que la personne essaie de se maîtriser, de ne pas être sous la férule du Satan. Quand il se met en colère, qu'il se taise. On ne se prononce pas. Et il dit dans un autre hadith, Iza radibta, Iza kunta waqifan faqoud. Il dit, quand tu te mets en colère, assis-toi si tu es debout. Et si tu es debout, allonge-toi. Pourquoi? Pour ne pas vraiment résoudre la violence. Et ça, c'est très important. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a demandé vraiment de contrôler soi. Et surtout dans la famille. Surtout dans la famille. Surtout avec les enfants. Surtout avec les gens qui sont sous ta contrôle. Et ça, c'est très important. Mais résoudre à la violence, surtout dans le monde dans lequel nous vivons actuellement, c'est quelque chose qui n'est pas bon pour un musulman. Car nous avons beaucoup de défis à relever. Beaucoup de défis à relever. Nous avons des enfants avec nous. Nous avons beaucoup de choses qui se disent, qui se font autour de nous. Des accusations qui ne sont pas fondées. Et le musulman doit donner vraiment un bon exemple de lui-même. Ce n'est pas vraiment qu'on s'acharne dans la maison sur notre épouse, ou sur notre mari, ou telle chose, ou sur notre enfant qui va arranger les choses. Non. C'est important que la personne t'aime, qui mérite ton amour, pas ta crainte. Non. Ce n'est pas ça. Vraiment. La vie conjugale est basée. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واستغفر الله الرحيم الرحيم لنا فيما عليه وعافنا فيما عافيت وتولنا فيما توليت وبارك لنا فيما أعطيت واصرف عنا السوء ما قضيت إنك تأخذ ولا يقضى عليك اللهم لا يذل من حريت ولا يذل من عاريت بيدك الخير كله يا رب ارحم الراحمين اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تقول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك من اليقين ما تحمل به علينا مصاحب الدنيا ومتعنا باسماعنا وازواجنا وذريتنا ابدا ما بقيتنا وجه الوارث منا واجعل ثارنا لمن ظلمنا وانصرنا لمن عادانا يا رب ارحم الراحمين اللهم انا نعوذ بك من سوء المنقلب في الاهل والمال والنفس اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك ومن تحول افاتك ومن فجاءه نقمتك ومن جميع سخطك يا رب ارحم الراحمين اللهم اصلح اولادنا وازواجنا وذريتنا واجعل قره عين لنا واجعل للمتقين اماما قم الى الصلاه ارحم Très bon parti, vraiment, pour le